On va repartir dans la ferme avec Laurent Lévesque, une ferme avec des moutons. On parle de laine, on parle de tricot. C'est de la fabrication à l'ancienne ce matin. Et Laurent va tout de suite apprendre à tricoter. Je suis toujours à Fleury-la-Forêt, à la ferme de la cacheterie. Ça, c'est un bonnet qui a été fait avec... Un écheveau. Qu'on a vu tout à l'heure. On a mis combien de temps pour faire ça? Bon, 3 heures. 3 heures parce qu'on sait coudre. Tricoter, même, c'est mieux. Tricoter, on sait tricoter. J'ai tendance à... Je confonds tout, moi. Oui. Voilà. Alors, tricoter se fait avec de la laine. Et des aiguilles. Et des aiguilles. Et comment ça marche? Alors, en fait, il suffit de passer l'aiguille de droite dans la petite maille, là, de tourner autour de notre aiguille, de passer dans la première maille et de retirer la maille de l'aiguille. D'accord, je n'ai absolument rien compris. On est sur un point quoi, là? Alors, en fait, là, on est sur un point jersey. Ouais. Ça fait une maille un petit peu plate. On voit bien la forme de la maille. D'accord, et ça, on est sur le point mousse. Sur le point mousse. Et voilà. Ça, c'est la base du tricot. Voilà. En fait, quand on sait faire ces deux points, on sait tout faire au tricot. D'accord. Et après, ils ont d'autres noms, les... Oui, après, selon les points, en fait, selon la façon dont on va agencer ces deux mailles, on va obtenir différents points. Le point de riz, le point de blé, le point de... Voilà, les torsades. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu as une grosse aiguille et que moi, j'ai une petite aiguille, par exemple? En fait, ça va dépendre de la grosseur du fil. Selon la grosseur du fil, on va prendre une aiguille qui va correspondre et en fait, plus le fil est gros, plus l'aiguille est grosse également. Et plus la... La maille sera grosse et le pull sera épais. Voilà. Épais. Là, par exemple, si je savais faire, hein, on irait sur quoi? On irait sur quelque chose qui prend de la largeur, qui prend de la longueur? Non, en général, voilà. Le tricot, on monte. Ah, le tricot monte, donc. On va en hauteur. D'accord. Voilà. Et là, on est sur quoi? Quel est l'objet qu'on est en train de faire? En fait, là, on ne fait rien de précis. J'avais fait des petits échantillons pour montrer. D'accord. Voilà. Ça pourrait être une petite écharpe. Ça pourrait être une écharpe. Voilà. Là, il y a une écharpe devant nous. Elle est un petit peu plus large, mais c'est exactement le même principe. Et donc, ça, on est sur du point jersey. Du point jersey. Très bien. Voilà. On est. Alors, mais comment tu fais pour changer de couleur, par exemple? Alors, après, il faut juste. On prend le fil de la couleur que l'on veut. Et on rajoute, on va venir tricoter. Alors là, forcément, je suis un petit peu emmêlée, mais sinon, en fait, le principe, au lieu de prendre celui D'accord. qui est à l'origine, on va juste intégrer un nouveau fil et créer une nouvelle maille d'une couleur différente. Et est-ce qu'on peut venir à la ferme de la cacheterie pour apprendre à tricoter? Mais bien sûr. Parce que moi, par exemple, je suis nul. Il faut venir faire un stage. Voilà, il faut faire un stage. J'en ai pour combien de temps à peu près à apprendre, tu crois? Bon, c'est pas forcément long, ça va dépendre des gens, de l'envie qu'on a, de la motivation. D'accord, bon voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Il faut venir à la ferme de la cacheterie parce qu'il y a les produits de la ferme, il y a une maison d'hôte. Tout à fait. Et en plus, on peut apprendre à tricoter, il y a de la laine, et surtout de la laine de qualité. Voilà, la pure laine. Pure laine, Île-de-France. Voilà. Voilà, enfin, c'est le nom de la race du mouton. Hein. C'est ça. Parce qu'on est en Normandie. Du coup, c'est pas l'Île-de-France. C'est la Normandie. C'est la Normandie. Voilà. Bon, à bientôt.